Saint-Quentin, à mes souvenirs, ils avaient 2-3 bonnes individualités quand même. Jouer pour qu'on gagne les matchs, ça c'est le plus important. Nous on a un seul objectif, c'est de monter. Je verrai si je joue avec ça, pas sûr du tout. Vu l'état du Bordel. Non, jamais. Précédemment dans une saison en district. Après avoir concédé le nul à domicile contre Rive 3-3, nous avons su réagir sur un terrain catastrophique. Dans un match compliqué, nous nous sommes imposés 1-0 avec un but sur corner. Cette victoire nous permet de conserver notre première place dans le sprint final. Cette semaine, nous devons absolument nous imposer face à cette équipe que nous avions battue 8-0 au match aller. Allez, fais bon choix. Vous êtes 4. Fini. Malgré notre large victoire à l'aller, il faudra absolument rester concentré pour repartir avec les 3 points. Yo les refs et bienvenue sur ce nouvel épisode d'une saison district. On se retrouve cette semaine pour un match très très important contre Saint-Quentin-Falavier dans la course à la montée. Saint-Quentin-Falavier, c'est une équipe de fin de classement, comme vous le voyez. C'est une équipe qu'on avait battue aussi 8-0 à l'aller. Et vous allez dire que je fais encore de la langue de bois, etc. Mais pendant 45 minutes, ils nous avaient bien tenus en échec. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Saint-Quentin, dans mes souvenirs, ils avaient 2-3 bonnes individualités quand même. Un match qui est beaucoup plus dur que ce que ça n'y paraît. Parce que 8-0 et à la mi-temps, il y avait 0-0. Ouais, franchement, c'était pas une mauvaise équipe. Ça veut tout dire. Hein. Si on fait 0-0 une mi-temps, ça veut dire qu'ils sont capables de nous accrocher quand même. Ouais, un adversaire à prendre au sérieux. Là, dimanche, il faut vraiment directement rentrer dans le match. On va jouer sur le terrain en herbe. Ça va être une autre surface. On a encore 2-3 absents malgré tout. Donc, il va falloir faire le taf chez nous. Il y aura peut-être un petit peu de monde. Il va faire beau, terrain en herbe. Il va falloir faire le travail pour prendre les 3 points. Mais si on a nos occasions, qu'on les met, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Eux, ils sont en opération maintien. L'objectif, c'est de maintenir le club. Nous, l'objectif, c'est la montée. Donc voilà, on est obligé de gagner aujourd'hui. Et on ne doit pas laisser de points. On est toujours premier avec un match en moins. Donc voilà, il faut en profiter et ne pas faire de faux pas aujourd'hui. Et puis voilà, c'est parti les gars. Il y a du beau temps. Ça va être un beau match et on se retrouve au stade. C'est passé quoi, Capi, contre lui, là? Oui, duel anodin. Pressing sur le défenseur central. J'y vais, je ferme un peu les yeux, je sais pas trop ce qui se passe, j'ai mal derrière. J'ai fini le match, mais le lendemain, ça piquait un peu. Ouais. J'ai attendu un peu, je me suis dit, ça peut pas être une fracture, pas maintenant, tu sais. Jeudi soir, radio, fracture du quatrième orteil. Pied Putain. Gauche. Et là, du coup, mon pied droit me sert à rien. Ouais, ça, c'est vrai que, ouais. Et ben, voilà, quoi, ça m'handicape. On peut montrer ou pas la taille de la sandale ou pas? Montre la taille de la chose. Attention hein. C'est du haut niveau. Attention sur la piste. J'ai appris des pas de danse avec ça hier soir. Petit pas de danse, ouais, le rap je suis dedans. De fou. Adri. T'es là, tu joues. Oh là là. Au coup, on change un peu d'absent. Je fais mon retour, on perd Audric sur ce match. Je verrai si je joue avec ça, pas sûr du tout, vu l'état du bordel. L'importance de cette journée, on est plus de 3 à jouer pour être champion. Ils ont 2 points derrière nous. Aujourd'hui, on a un de nos concurrents qui est exempt. Donc, si on gagne, ça fait 5 points sur eux. Par contre, on a l'autre concurrent qui va jouer JR, qui est dernier. Donc, vous pouvez être sûr qu'ils vont gagner. Donc, nous, il faut qu'on gagne aujourd'hui pour maintenir cette avance sur Cré de 2 et puis en mettre 5 à Saint-Senage. Aujourd'hui, même s'il fait beau, on n'est pas à Acapulco. Hein. On ne fait pas chacun son petit numéro. C'est un groupe, une équipe. D'accord? Et la star, c'est l'équipe. Et automatiquement, quand une équipe fonctionne bien, eh ben on vient toujours la voir, on se dit ah ouais, d'accord, c'est pas mal. Mais mettez-vous pas avant l'équipe, ça c'est important. Jouez pour qu'on gagne les matchs, ça c'est le plus important. Nous on a un seul objectif, c'est de monter. Ok les gars, vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ouais. Allez, c'est parti. Go. La semaine dernière, 1-1, t'as parié vu le net?
dans le... Je te fais la main. C'est quand ça décide en vrai. Vas-y, qui marque. J'ai une mètre qui marque. A few moments later. Ouais. Là, tu paries ici. Je parie une mètre, mais on m'a dit comme quoi c'était trop facile quand t'as un 10. Du coup, aujourd'hui, je parie sur moi-même. But de notre numéro 3 aujourd'hui. Là, la cote, elle a 6 ou 7 au moins. Faut pas trop croiser aujourd'hui. Hein. Non, là, je vais me mettre pointu dégueulasse, hein, comme je marque. Vas-y. L'important c'est de rentrer dans votre match, début de match les gars. On ne soit pas à courir après ce résultat d'entrée alors qu'on a la main mise sur le jeu. Soyez prêts d'entrer. Allez blanc, hein. Ça vient. Il a mal tout seul, t'as raison, non. Non, jamais. Cours. Ouais.
Bien joué, tue-toi la passe. Bien joué, Nab. Mais vas-y, mais c'est ça. C'est bien, Hamza, ce que t'as fait. C'est très très bien, tu nous as sauvé 3 ou 4 fois la mise là. Hein, c'est bien, reste concentré comme ça. On a l'impression que c'est facile, donc on fait pas beaucoup d'efforts, on laisse beaucoup d'espace, on se parle mais on s'écoute pas beaucoup. Et puis bah, finalement, ils se créent ces 1, 2, 3 occasions où franchement, ils peuvent nous la mettre dedans. Hein. D'accord ? Alors mettez-vous dans une situation où on joue des leaders. Si vous marquez ce troisième but, c'est terminé, le match il est plié. Par contre, s'ils reviennent à 2-1, c'est un autre match qui va se jouer. Hein. Et là, les situations, vous les avez. Hein. Et vous allez en avoir d'autres, d'accord ? Allez ! Allez, viens ! On va être le troisième, là ! Le troisième, le match est plié, là ! Ouais, c'est sûr que ça va être allez, Blanc, hein ! Oui, deuxième. Attends, deux. Vaudry, voilà! Hey ouais, du coup, c'est vraiment juste à 3-0, je suis tombé. Du quoi? Je viens du coup, femme, du coup, je vais me faire. À l'île d'Abo et à Dolomieu. On avait eu grand chose à faire. Non. À part les engagements, il a rien d'ici fait. Vaudry, allez Vaudry. Vaudry. Vaudry.
Même moi, il y a 3 jours de mon petit. Va Naïm. Assez facile, globalement on a maîtrisé le match. Malgré que, qu'ils ont eu des occasions. On a su vite se mettre à l'abri. Ouais, petit but, mais malgré que je me suis fait découper, heureusement que je saute, mais sinon je pense que c'était carton rouge. Hamza a fait un gros match, on a sorti 2-3 balles importantes, à des moments importants du match. Dans l'ensemble, on a fait un bon match malgré le cadeau que j'ai fait à la fin. C'est la perte de lucidité ça, j'avais trop couru, du coup ça va, il y a l'excuse de la chaleur.